Bonjour tout le monde, bienvenue dans le tout dernier Fantasy Pro League Show de la phase classique. Après 33 journées, il n'en reste plus qu'une, c'est le grand jour pour pas mal d'équipes de Jupiler Pro League, mais aussi pour vous, car il y a encore quelques points à grappiller avant de passer en mode play-off. On vous présente les derniers bons coups de cette phase classique. Le géant s'est réveillé le week-end dernier avec un triplé face à Eupen. Polo Nwachu, buteur à 19 reprises et qui cumule 144 points, est de retour en forme et au bon moment. Il avait déjà inscrit un triplé lors du match aller face à Serein. Et les métallos, assurés de jouer les barrages, pourraient bien faire tourner ce week-end. Le Nigérian coûte 12 millions et pourrait bien à nouveau marquer les esprits dans cette dernière journée. Il est enfin de retour. Dante Van Zer a purgé sa suspension et va pouvoir se remettre dans le bain juste avant d'entamer les playoffs. En face, le Beerschot est déjà relégué et ressemble à la proie idéale pour lui permettre d'augmenter son score de 150 points. L'Union Saint-Gilloise est heureuse de le retrouver, tout comme son fidèle acolyte Denis Undav. Siske Amouzou n'est peut-être pas un titulaire indiscutable, mais il s'est révélé être un très bon joker pour Vincent Kompany ces dernières semaines. On connaissait déjà sa vitesse et ses qualités techniques, et on sent qu'il est sur la bonne voie. Pour 6,5 millions, le choisir n'est pas un si gros risque. Les Mauves ont leur destin en main pour une place en Champions Playoff, et ils ne pourront pas se permettre un faux pas face à Courtrai, d'où l'intérêt d'avoir un joker comme Amouzou. Le Standard ne s'est plus imposé aux Stayens depuis 2007. La forteresse limbourgeoise est bien gardée, surtout avec Daniel Schmidt dans les cages. Le gardien sort d'une nouvelle clean sheet contre Zulte Waregem et il totalise 93 points. Son prix est de 5 millions. Bref, il coche toutes les cases pour faire une bonne affaire. Cette dernière journée de la phase classique est attendue depuis longtemps. Et oui, car une fois qu'elle sera terminée, beaucoup de choses vont changer pour la Fantasy Pro League. On ne vous en dit pas plus pour l'instant, mais rendez-vous la semaine prochaine pour tout découvrir. D'ici là, n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires qui vous avez choisi pour cette ultime journée. À bientôt !